Welcome to Christian International Outreach Ministries, a house of prayer for all nations, where the love, the presence, and the power of God are real. Your life will be mightily blessed by the anointing of God flowing through the following message. Beloved, welcome into the house of the Lord. Bien-aimés, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Welcome into the very first Sunday of this year. Soyez le bienvenu au tout premier dimanche de cette année. Amen. 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 I want you, as it's our custom, to stand, and we're going to read the Bible. Comme cela est de coutume, nous allons nous tenir debout pour lire la Bible. And we're reading this morning in the book of Luke. Nous lisons ce matin dans le livre de Luc. Chapter number 12. Chapitre 12. Reading from verse number 16 to 21. Nous lirons du verset 16 au verset 21. Luke chapter number 12. Luc chapitre 12. 16 to 21. Le verset 16 jusqu'au verset 21. As usual, we're going to read in French, but I want you to follow in your own language. Comme d'habitude, nous lirons en français, mais suivez dans votre propre langue. Let's hear the word of God. Écoutons la parole de Dieu. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Et il leur dit cette parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 You may be seated. Nous pouvons prendre place. Beloved, this is the very first Sunday of the year. Bien-aimés, ceci est le tout premier dimanche de l'année. And we will start a new theme as usual. Et nous allons commencer a new theme. Un nouveau thème comme d'habitude. And our theme will be God first. Et notre thème sera Dieu d'abord. God first. Dieu d'abord. Amen. 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 We'll see. Why is it important that God be first in everything we do? Nous verrons pourquoi cela est important que Dieu soit d'abord ou le premier dans tout ce que nous faisons. What does it mean for us that God should be first? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous que Dieu soit premier? And what are the results of putting God first? Et quels sont les résultats de mettre Dieu en premier dans notre vie? Amen. Amen. Today I will just introduce by the importance of having God first. Aujourd'hui, je vais seulement introduire sur l'importance d'avoir Dieu en premier dans notre vie. And the title or the subtheme of today et le sous-titre de ce jour will be sera Open my eyes. Ouvre mes yeux. Open my ears. Ouvre mes oreilles. I pray. Je prie. That at the end of this message, qu'à la fin de ce message, we will have the desire, nous puissions avoir le désir, to see what God sees, de voir ce que Dieu voit, and to hear what God has to say, et d'entendre ce que Dieu a à dire. Amen. 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 Let's jump back into the scripture we read. Nous allons sauter dans l'écriture que nous avions lue. And we see here in verse number 16 that Jesus gave a parable. Et nous voyons ici au verset 16 que Jésus-Christ a donné une parabole. He's talking about a man. Il parle d'un homme who is at the beginning of a season. Qui est au début d'une saison. Where he has decisions to make. Là où il y a les décisions à prendre. And plans to do for the future. Et des plans à faire pour l'avenir.
It's just like us, we are at the beginning of a new year. C'est comme nous, nous sommes au commencement d'une nouvelle année. And there is one thing that God has gifted each human being. Et il y a une chose que Dieu a donné à chaque être humain. Which is very, very important. Qui est très, très important. And we see it in verse number 17. Et nous le voyons au verset 17. Bible says, la Bible déclare, the man thought to himself. La personne raisonnait en lui-même. I call it self-awareness. Je l'appelle une prise de conscience. He realized, il a réalisé, where am I? Où suis-je? What just happened to me? Qu'est-ce qui m'arrive? He realized, il a réalisé, that he has been blessed. Qu'il avait été béni. The Bible says here, la Bible déclare ici, his crops, sa récolte, produce, a produit. The Bible said the land of a rich man produced abundantly. La Bible dit que verse number 16. Au verset 16, il est dit que les terres de cet homme riche a beaucoup rapporté. It was at the end of the harvest. C'était pendant la période de la moisson. At the end, they did the harvest. À la fin de la moisson. So it's a new season now. C'est une nouvelle saison maintenant. You can plan what you want to do for the future. Et nous pouvons planifier ce que nous voulons faire dans l'avenir. And it is very, very important. Alors c'est très, très important. To know where you are. De savoir où tu es. What you have. Ce que tu as. And plan for the future. Et planifier pour l'avenir. Nothing wrong with that. Il n'y a rien de mal dans tout ça. If you are not aware of what you have received and where you are. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez reçu et de là où vous êtes, you cannot focus on what you need to change for the future. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur ce dont vous avez besoin de changer pour l'avenir. That's why most of us. C'est pourquoi la plupart d'entre nous. We've been turning around in our personal life. Nous sommes en train de tourner en rond dans notre vie personnelle. In our families. Dans nos familles. Because we just like someone here, you blaming your wife. Parce que quelqu'un qui blâme sa femme, par exemple. Every year, chaque année, you just blaming your wife. Tu ne fais que blâmer ta femme. And you have never sat down and realized what you need to change for the year and for the future. Et tu ne t'es jamais assis pour réaliser ce que toi tu as besoin de changer pour l'avenir et pour l'année. You have zero plan. Tu n'as aucun plan. For immediate change. Pour un changement immédiat. You have zero plan. Tu n'as aucun plan. For change in midterms. Pour le changement à moyen terme. And long term change. Et à long terme. That you have to do in you. Que tu dois faire en toi. Self-awareness. Une prise de conscience. Honest self-awareness. Une honnête prise de conscience. Very important. C'est très important. Amen. Amen. I commend this man for that. Je félicite cet homme pour cela. He looked around. Il a regardé autour de lui. Hey, my land has produced. Il a dit, mes terres ont produit. Now, the fact that the land has produced, le fait que la terre ait produit, was not an accident. Ce n'était pas un accident. Ah non 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 non. This man, cette terre, has this man, cet homme pardon, has put in some work. A investi, il a fait du travail dessus. He worked. Il a travaillé. He bought the land. Il a acheté une portion de terre. He planned to plant. Il a planifié de planter. And he worked. Et il a travaillé. That's why you see the results. C'est pourquoi vous voyez les résultats. Amen. Amen. I commend him for Je that. Je le félicite pour cela. But at the same time, mais en même temps, if you focus only on you, si vous vous focalisez seulement sur vous, that can be a fatal mistake. Ça peut être une erreur fatale. Because in life, parce que dans la vie, there's not only you. Il n'y a pas que vous. No. Uh-uh. You see this man here? Voyez-vous cet homme ici? He said, I have to do something. Il a dit en lui-même, je dois faire quelque chose. What am I going to do? Que vais-je faire? Came up with a plan. Il est venu avec un plan. I'm going to destroy my barns. They are too small. Détruire mon grenier qui est tout petit.
I will build. Je vais bâtir. And he's a worker. Et c'est un travailleur. He has a plan. Il a un plan. When he said, I will build. Lorsqu'il dit, je vais bâtir. I bet you it shall be built. Je parie qu'il va bâtir. And he said, I will gather. Il a dit, je vais amasser. I will do this. Et je vais faire ceci. Amen. 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 Very, very important. Très important. Now. Maintenant. Verse number 18, au verset 18, we see his plan. Nous voyons comment il a planifié. Very good. Très bien. Verse number 19, au verset 19, he goes beyond the plan. Il va au-delà de la planification. After I built, après avoir bâti, after I store, après avoir conservé, I will do something else. Je ferai quelque chose d'autre. I'll speak to myself. Je vais parler à moi-même. Speak to myself. Je vais me parler à moi. And he said, et il a dit, I will say to my soul, je vais dire à mon âme, soul, mon âme, you have ample goods laid up for the future, many, many years. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. That shows you how much he received. Cela vous montre combien il a reçu. As a result of hard work. Comme résultat d'un travail dur. And then he said, et puis il dit, I will tell me. Je veux me dire à moi, relax. Relax. Eat. Repose-toi, mange. Drink. Bois. Be merry. Marie-toi. That means be happy, play. Plutôt, play. Réjouis-toi. That is what he added to his plan. C'est ce qu'il a augmenté dans son plan. Beloved. Bien-aimé. Verse number 20. Le verset 20 dit ceci. Shows us nous montre the big mistake he made. La grande erreur qu'il a faite. He thought he was by himself, il pensait qu'il était seul. Planning for his life, planifiant pour sa vie. But verse number 20 says, mais au verset 20, il est dit. Let's hear that in French. Écoutons cela en français. Mais Dieu lui... God steps in. Dieu a intervenu. And what is God saying? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Beloved, God steps in. Bien-aimé, Dieu a intervenu. And he says, tonight. Il a dit cette nuit. In less than 24 hours. Ça veut dire dans moins de 24 heures. Taking you out. Je vais prendre ton âme. Decision has been made. La décision a été prise. It's done. C'est accompli. I will not change it. Je ne vais pas le changer. I thought it's really harsh. Je pensais que c'était un peu dur quand même. The man is just thinking and planning. Cet homme était en train de penser et planifier. He hasn't even done anything yet. Il n'a même pas encore atteint ce qu'il planifiait. How come God cannot tell him, hey, if you do that, I'm going to kill you. To change. Comment est-ce que Dieu ne pouvait pas le dire, si tu fais ça, je vais te tuer. Change. Change. It's done. Non, c'est fini. Beloved. Bien-aimé. The Bible says this. La Bible dit ceci. As a man thinketh. Tel qu'un homme pense. So he is. Tel il est. Jesus said. Jésus a dit. If you look at a woman, si vous regardez une femme, and you lust in your heart, et vous convoitez dans votre cœur, you already done it. Vous avez déjà fait. You know, if someone has something in it settled in their heart, vous savez, si quelqu'un a quelque chose établi dans son cœur, give them the opportunity. Donnez-lui l'opportunité. They will do it. Ils vont le faire. Seems like God is very harsh. C'est comme si Dieu est vraiment dur. But for a reason. Mais pour une raison. Because this man, parce que cet homme, is acting like he is blind. Il agit comme s'il était aveugle.
You know, being blind does not necessarily mean that you can't see. Vous savez, être aveugle ne veut pas nécessairement dire que vous ne pouvez pas voir. You can be partially blind. Vous pouvez être partiellement aveugle. That means you see only to a certain extent. Ça veut dire que vous voyez jusqu'à une certaine étendue. He saw only me. Il a vu seulement moi. I have. J'ai. I will. Je vais. I will eat. Je vais faire. I will manger. Tell me. Je vais me dire. My. Moi. Me. Moi. Me. Moi. Me. Moi. Where is his wife? Où est sa femme? Where are his kids? Où sont ses enfants? Where are his friends? Où sont ses amis? He sees nobody else. Il ne voit personne d'autre. Where is God? Où est Dieu? To his eyes, à ses yeux, zero God. Zero God. Il n'y a pas de Dieu. Zero nobody. Il n'y a personne d'autre. Only me. Il n'y a que moi. Let me open a parenthesis. Je vais ouvrir une parenthèse. You know, vous savez, being aware of God's presence. Être conscient de la présence de Dieu is not always easy. Ce n'est pas toujours facile. Especially when everything goes well. Spécialement lorsque tout va bien. You easily meet people say, I don't need God. Why do I need God? Vous rencontrez des gens qui disent, bon, pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Why should I pray? Pourquoi devrais-je prier? And most of the time is when things go wrong. Et la plupart du temps, c'est lorsque les choses vont mal. The same people say, I don't need God, and turn around and where is God? Les mêmes personnes qui disent que je n'ai pas besoin de Dieu se tournent pour dire, où est Dieu? If God really exists. Si Dieu existe réellement, why people suffer in the world? Why? Pourquoi les gens souffrent dans le monde? And sometimes even believers. Et quelquefois même les croyants. Being aware of the presence of God. Étant conscient de la présence de Dieu. Seeing God. Voyant Dieu. Is not always obvious. N'est pas toujours évident. And when things go wrong in life, lorsque les choses vont mal dans la vie, even a believer can question, where is God? Même a believer can question. Même un croyant peut poser ou se poser la question, où est Dieu? Where is God? Où est Dieu? Think of Lot. Pensez à Lot. Job, I'm sorry, Job. Job. He said, il a dit, after going through a very, very rough time, après avoir traversé des moments très difficiles, he said, oh, only if I know where to find God. Il a dit, si je connaissais l'adresse où je peux trouver Dieu, I will go, je vais y aller, and ask him some, je vais lui poser quelques questions, because of what's happening to me, à cause de ce qui m'arrive. But I thank God for him. Mais je remercie le Seigneur pour lui. Because somewhere he could see. Parce que quelque part il pouvait voir. He said, il a dit, I know. Je sais. My Redeemer is alive. Mon Rédempteur est vivant. He will stand the last. Il va se tenir debout. That means somewhere he could see. He's somewhere. I can see somewhere, somewhere. Quelque part il pouvait voir que Dieu est quelque part. Hallelujah. Hallelujah. Beloved. Bien-aimé, in this new year, dans cette nouvelle année, it is very, very important, c'est très, très important, to ask God, de poser la question à Dieu, to open your eyes, d'ouvrir nos yeux, so you can see, pour que nous puissions voir, where he is, là où il est, in your life, dans votre vie, what he has to do, là où il, ce qu'il doit faire, what he has done, ce qu'il a accompli, in your life, dans votre vie. Amen. Amen. It is very, very important. Cela est très, très important. To establish. D'établir. To nurture. De nourrir. To develop. De développer. An authentic relationship with God. Une relation authentique avec Dieu. Amen. Amen. It is a key factor. C'est un facteur clé. To make sure that we sail through this year successfully. De se rassurer que nous traversons cette année avec succès.
Amen. 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 This man here, cet homme ici, saw only me, my stuff, my plan. N'a vu que moi, mes affaires et mes plans. We saw in verse number 18. Nous avons vu au verset 18. There is nothing wrong with the planning. Il n'y a rien de mal à planifier. Building, construire, storing, épargner for the future, pour l'avenir. Do not waste what you have received. Ne pas perdre ce qu'on a reçu. There is nothing wrong with that. Il n'y a rien de mal à tout ça. It is only when he said, I will speak then to me. C'est alors lorsqu'il a dit que je vais me parler à moi. Everything he said in verse number 19. Tout ce qu'il a dit au verset 19. Is focused on me. Se focalise sur moi. On the pleasure of this earth. Sur le plaisir de ce monde. Satisfy me. Me satisfaire. Only me. Moi seulement. Only me. Moi seulement. He did not know. Il ne savait pas. That thought. Cette pensée. That decision. Cette décision. Was taking him somewhere. Le conduisait quelque part. Quicker than he thought. Plus rapidement qu'il ne pensait. And that somewhere, et cet endroit, it was the grave. C'était la tombe. The same day, le même jour, less than 24 hours, en moins de 24 heures, he was gone. Il était parti. Beloved, bien-aimé, this is very serious. Ceci est très sérieux. Extremely serious. Extrêmement sérieux. He could not see. Il ne pouvait pas voir. He could not see. Il ne pouvait pas voir. He could not see. Il ne pouvait pas voir. You know, I was thinking. Vous savez, j'étais en train de penser. What it is that he didn't see? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu voir? And I said a little bit of this last Sunday. Et j'en ai parlé un peu le dimanche dernier. If you see, si vous voyez what happened to his land, ce qui est arrivé à son champ, I counted at least 14 keys or things or requirements for the land to produce. 14. J'ai at least 14. Compté environ 14 clés pour que le champ puisse produire. Number one, premièrement, you need a land. Vous avez besoin d'un champ. Okay. Ouais. Whose land was it? À qui appartenait ce champ? His land. C'était son champ. Okay, I give him credit. One. Je lui donne un he crédit. Has a land. Un, il a un champ. But wait a minute. Attendez une minute. Who created the land? Qui a créé le champ? God. Dieu. Now the Bible says, alors la Bible déclare, it is the blessing of God, c'est la bénédiction de l'Éternel, that make it rich, qui enrichit. The fact that he had money to acquire a land, le fait qu'il avait l'argent pour acquérir ce champ, was given by God. Cela lui était donné par Dieu. So he owed the land to God. Donc il doit ce champ à Dieu. Who's the ability to acquire the land from God? Qui lui a donné l'habileté d'acquérir ce land de la part de Dieu, ce champ de la part de Dieu? Number two. Deuxièmement, he didn't just look at his land. Il n'a pas seulement regardé son champ. He worked, he planned. Il a travaillé, il a planté. Okay, I give him credit. Two, je credit. Lui donne un bon crédit. He had a land and he worked. Il avait un champ et il a travaillé sur ce champ. That's all he did. C'est ce qu'il a fait. Two things. Deux choses. For that land to produce, pour que ce champ puisse produire, number one, premièrement, he needed seed. Il a besoin d'une semence. Who created the seed? Qui a créé la semence? God. C'est Dieu. For the seed to grow, pour que la semence puisse croître, that seed has to receive life. Cette semence doit recevoir la vie. When it's buried, there is nothing you can do. Lorsque cette semence est enterrée, il n'y a rien que l'on puisse faire. Only the grace of God. Il n'y a que la grâce de Dieu. Follows the seed. Qui suit la semence. Gives it life. Et qui lui donne la vie. And then it comes out. Et ça commence à pousser. God did it. Dieu le lui a donné.
Now, maintenant, we saw last Sunday, nous avions vu le dimanche dernier. That's not enough. Cela n'est pas suffisant. Worms can come and eat up your seed and destroy your crops. It's gone. Les vers de terre peuvent entrer, venir ronger votre semence et détruire votre récolte. Who protected the seed from the worms? Qui a protégé la semence de ces vers? God. Dieu. Bad weather can come. Un mauvais temps peut arriver. And destroy your crops. Et détruire toute la récolte. Who is the master of time and circumstances? Qui est maître des temps et des circonstances? Control the weather. Qui contrôle le temps? God. Dieu. Okay. You can have plenty of harvest. Vous pouvez avoir beaucoup de moissons. Thieves can come. Des voleurs peuvent venir. And you are sleeping. Et tu dors. Your harvest is gone. Et ta moisson est partie. Only God can enter into the heart of a thief and tell them, "Don't go there. Leave that man alone." Il n'y a que Dieu qui peut détourner le cœur d'un voleur. Ne va pas là-bas et va ailleurs. Laisse cet homme tranquille, pardon. The heart of the thieves? Qui touche le cœur d'un voleur? God. Dieu. We can go on and on. Nous pouvons aller en continuant. When I did the math, lorsque j'ai fait les calculs, what God has done, ce que Dieu a fait versus what that man has done, par rapport à ce que l'homme a fait, you see clearly, vous voyez clairement that the man, que l'homme, even the two he did, même the two things he did, les deux choses qu'il a faites, buy a land, acheter la terre and plant, et planter, he borrowed from God's grace. Il a emprunté de la grâce de Dieu. At the end of the day, à la fin de la journée, you see clearly, vous voyez clairement, if this man is blessed, si cet homme est béni, it is because God loves him. C'est parce que Dieu l'aime. Amen. Amen. It's just a simple expression of the grace c'est of God given to him. C'est une simple expression de la grâce de Dieu qui lui a été accordée. It is not because of his ability. Ce n'est pas à cause de ses habiletés. No. Mm-mm. The grace of God. La grâce de Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu. Now, it seems to me. Maintenant, il me semble. If someone has done all that for you. Que si quelqu'un fait tout cela pour toi. And you are blessed. Et tu es béni. And it shows you that he loves you. Et cela te montre qu'il t'aime. Il te montre qu'il t'aime. The least you can do. Le peu que tu puisses faire. Is acknowledge. C'est reconnaître. That he is there with you. Qu'il est là avec toi. That he loves you. Qu'il t'aime. That he is taking care of you. Qu'il prend soin de toi. Amen. Alléluia. And then. Et puis, love him back. Aime-le en retour. But this man, mais cet homme, ignores God. A ignoré Dieu. He loves himself. Il s'aimait lui-même. I will tell me. Je vais me dire. I will do this to me. Je vais faire ceci pour I moi. Will do this to me. Je vais faire ceci pour moi. The Bible calls that idolatry. La Bible appelle cela idolâtrie. Amen. Amen. Let's read the 1 Timothy chapter number 6, verse 9 to 10. Lisons 1 Timothée chapitre 6, 9 to 10. Versets 9 à 10. Il est dit ceci dans la parole de Dieu, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Amen. If you love you, si tu t'aimes, you love the flesh. Tu aimes la chair. You love the things of this world. Tu aimes les choses de ce monde. It will be very hard to walk by faith. Ça sera très difficile de marcher par la foi. It is a snare. C'est un piège. That will put you qui va te mettre in a lot of trouble. Dans beaucoup, beaucoup de problèmes. Beloved, bien-aimé, it is very important. C'est très important to see. De voir God.
Dieu. If this man saw all of that, si cet homme avait vu tout cela, he could have decided, il aurait pu décider. In reality, en réalité, I need to see God. J'ai besoin de voir Dieu. Put him in front of me. Devant moi. And follow him. Et le suivre. Because truly he loves me. Parce qu'il m'aime vraiment. And he's the only one. Et il est le seul the master of times qui est maître des temps et des circonstances. And who can make sure et il peut se rassurer I have a future. J'ai un avenir. Beloved, bien-aimé, I wanted to spend a little time on prayer today. J'aimerais qu'on passe du temps en prière en ce jour. But let me finish by sharing with you something that I saw that really troubled my heart. J'aimerais partager quelque chose avec vous qui a troublé mon cœur. It is something real. C'est quelque chose de réel. And I will compare it to this message. Et je vais comparer avec ce message. There was an accident that happened. Il y avait un accident qui était arrivé that was captured in a camera. Qui avait été filmé. You know the highways. Vous voyez les autoroutes that link the interstates like 95, they go from north to south. Les grandes autoroutes qui lient les États, comme la 95 qui va du nord au sud. When there are where there are overpasses, sometimes they put cameras there so they can see the traffic. Il y a quelquefois il y a des caméras et qui peuvent bien voir le trafic. That's why when you're driving, c'est pourquoi lorsque vous conduisez, you can read the billboard and they're telling you accident ahead or congestion. They tell you what's coming ahead because someone can see the camera and type the message to you. Vous voyez des grands panneaux où on dit il y a accident à quelques kilomètres parce que quelqu'un est en train de voir et il peut écrire sur le grand tableau. Now this is what happened. Voici ce qui est arrivé. In one place. Dans un endroit. And I saw the footage. Et j'ai vu l'image. The film, I saw it. L'image, je l'ai vu. I don't know if there were ships. I think two or three or four ships got into the highway they were trying to cross. Je ne sais pas s'il y avait des moutons. Yeah, they des were. Moutons. It looks like sheep. They were trying to cross the highway. Des moutons qui essayaient de traverser l'autoroute. Now you know it's like four or five lanes. Vous savez, il y a quatre ou cinq lignes of cars and trucks de voitures et de camions. And sometimes doing 80 miles. Et quelquefois, ça va à 60. Plus de 120 km à l'heure. And then one of them tried to cross. Et l'un d'entre eux essayait de traverser. Was hit by a car. Il était cogné par une voiture. And the other one turned around. Et l'autre s'est retourné. The car that hit the first sheep. Le camion, le véhicule qui a cogné le premier mouton. Stopped. S'est arrêté. And three vehicles behind. Et trois véhicules derrière. Slammed into that car. Ont cogné ce véhicule. And all of a sudden, et tout soudainement, the people in the two cars that slammed into the car, les gens qui étaient dans les deux voitures qui a cogné la they voiture made après, a big mistake. Ils ont fait une grande erreur. They opened the doors, ils ont ouvert la porte, come out to see what's going on, pour aller voir ce qui se passait. It took only few seconds. Ça n'a pris que quelques secondes. You know, everyone is coming in a high speed. Vous savez, tout le monde vient avec une grande vitesse. They don't know that there are ships they are trying to cross. Ils ne savaient pas qu'il y avait un mouton qui essaie de les traverser. There was another car who came in and tried to avoided all of them. Il y a un autre véhicule qui essaie de les éviter. Then an 18 wheeler. Et un 18 roues came, est venu. Was just too late. C'était trop tard. To avoid anybody. Pour éviter qui que ce soit. And plowed into four cars and people standing. Everyone was plowed. Et il a balayé les quatre véhicules et tous ceux qui étaient debout pour voir comment ils pouvaient aider. Tous ont été balayés par ce camion. Few seconds. En quelques secondes. All of them were gone. Tous étaient partis.
Now the camera is pointing like this. Maintenant, la caméra était en train de filmer comme so ça. So you don't see where they went on. You don't see that. Et vous ne voyez pas là où ils sont partis. Beloved, bien aimé. Losing one life. Perdre une vie is not acceptable. N'est pas acceptable. I don't know how many people were in those four cars. Je ne sais pas combien de gens dans ces quatre véhicules. Besides those who got out and came to come see what's going on and try to argue. En dehors de ceux qui étaient sortis pour essayer de voir, pour essayer d'argumenter. It was a big mistake. C'était une grande erreur. It was too late. Trop tard. Now let me ask you this. Laissez-moi vous poser cette question. There is a reason I chose that story. Il y a une raison pour laquelle j'ai pris cette histoire. If in that car, si dans cette voiture, is your son or your daughter, il y a ton fils ou ta fille, you are the parent, tu es le parent, and it happened to be, et cela est arrivé que you were sitting, tu étais assis, at the place where you can see the foot, the camera, you can control the camera. À l'endroit où tu pouvais contrôler la caméra. Because if you zoom the camera, parce que si tu zoomes la caméra, you can see beyond the cars. Tu peux voir au-delà des voitures. You can see the other traffic coming. Et d'autres trafics en train de venir. What could have you done? Qu'est-ce que tu allais faire? Well, maybe nothing. Maybe nothing. Peut-être rien. You're just far. Tu es loin. There is no, nothing you can do. Il n'y a rien que tu puisses faire. But let me ask you this. Mais laissez-moi vous poser cette question. If you know for sure, si vous savez assurément that car that's coming, that's my son, que cette voiture qui vient, c'est mon fils or my daughter, ou ma fille, I have the first cell phone number. J'ai leur numéro de téléphone. Can you make a call? Est-ce que tu peux appeler? At least attempt to make a call that, hey, keep on driving. Et continue à conduire. There is an 18-wheeler coming. Go, drive, go. Il y a un 18 roues qui vient. Continue à conduire. Would you at least try to do that? Est-ce que tu allais essayer de faire cela? If it's me, I will. Oh, si c'était moi, j'allais le faire. I will pick up the phone and call. Je prendrai le téléphone. Keep on driving. Continue à conduire. But now imagine. Mais imaginez. The person there. La personne là-bas. He could see. Pouvait voir. But there is no relationship between him and the people in the car. Il n'y a aucune relation entre lui et les gens dans la voiture. Those guys have cell phones. Ces gens ont des numéros de téléphone. He cannot talk to them. Il pouvait pas leur parler. Tell them keep on driving. Don't get out the car. De continuer à conduire, sortez de la voiture. What you see, ce que vous voyez, is just limited. C'est limité. I can see what you do not see. Je peux voir ce que vous ne pouvez pas voir. Even if it is an accident, keep on going. Même si c'est un accident, continue à conduire. There is no way he could do that. Il n'y a pas moyen de le faire. They had no relationship. Et il n'y avait aucune relation entre ceux qui étaient dans la voiture et ceux qui voyaient dans la caméra. They could not communicate. Ils ne pouvaient pas communiquer. Beloved, bien-aimé, your life and mine, votre vie et la mienne, just like we are in a car, c'est comme si nous sommes dans une voiture. We are in on a highway, nous sommes dans une autoroute that is called 2018. Qui s'appelle 2018. We're going in a high speed. Nous conduisons rapidement. You don't know. Vous ne savez pas. What can show up there? Qu'est-ce qui peut venir? We don't see. Nous ne voyons pas. What is behind? Ce qui est derrière. That can come. Qui peut venir? We have a father. Mais nous avons un père. Who's sitting and he can see. Qui est assis devant la caméra. If you have a relationship, si tu as la relation avec Dieu, and if you can hear from him, et si tu peux écouter de sa part, he loves you. Il t'aime. If it was me and my son is there, si c'était moi et mon fils était là, I will pick up my phone. I know his number. I'll call him. Je prendrai son téléphone, mon téléphone. Je connais son numéro de téléphone. Je l'appellerai.
And if it is really my son, et si c'est vraiment mon fils, when my number shows up, lorsque le numéro de papa apparaît, il va décrocher. If God can communicate with you, si Dieu peut communiquer avec toi, it'll save your life. Il va sauver ta vie. You can see only, tu peux voir seulement in a limited scope. Dans une un angle limité. Merci. God sees. Et cela montre. God sees. Dieu voit. Like in that accident. Comme dans cet accident. If only the people who were at the camera could have a relationship with the people in the car. Si seulement les gens qui étaient en train de voir sur l'écran avaient la relation avec les gens qui étaient dans la voiture. And communicate. Et communiquer. If they could hear. Ils pouvaient écouter. They'd be alive. Il serait vivant aujourd'hui. Beloved, bien-aimé, you can only put God first. Vous pouvez seulement mettre Dieu en premier. If you know God, si vous connaissez Dieu, God knows you. Et Dieu vous connaît. You can only know God. Si vous ne pouvez connaître Dieu, if you decide to seek him. Que si vous décidez de le chercher. If that's the number one desire of your heart. Si c'est le premier désir de votre cœur. Because God said, parce que Dieu dit, he will reveal himself. Il va se révéler lui-même to those who seek him with à all their heart. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. And you can only seek God with all your heart. Et tu ne peux seulement chercher Dieu de tout ton cœur. If he is number one for you. Si il est numéro un pour toi. It is not you. Ce n'est pas toi. You. Toi. You. Toi. It's God number one. Mais Dieu en premier. If he is the first in your life. S'il est le premier dans ta vie. Beloved. Bien-aimé. I want you to decide. J'aimerais que tu décides. Come to God today. Viens à Dieu. En prière. To God. He loves you. Il t'aime. He loves you. Il t'aime. Loves you. T'aime. Give yourself to him. Donne-toi toi-même à lui. Everything you have came from him. Tout ce que tu as vient de lui. And he's the only one. Et il est le seul who can guarantee qui peut garantir yourself through this year to the end de successfully. Voyager durant cette année jusqu'à la fin avec succès. Ask God to open your eyes. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux so that you see him. Pour que tu le vois. And you see to what extent his love is in you already. Et tu vois à quelle étendue son amour est en toi déjà. Beloved, let's bow our heads. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Thank you for listening. If you're visiting or live in the Washington, D.C. area, come worship with us. Thursdays at 7 p.m., Sundays 11:15 a.m. For prayer requests or a copy of this message, call 1-888-446-6522 or email us at cioministries@gmail.com. Christian International Outreach Ministries, the place to be.